Alors, let's go, c'est parti pour jouer la tête. Non, c'est pas parti. Non, pas moi. Pas moi, la vérité, pas moi. Non, ça c'est la pierre. Non, pas moi, s'il te plaît. Je suis le plus mauvais de tous les suivants que tu pourras croiser sur DBD en tant que affrontage nurse. Donc ne viens pas sur moi. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Au nom de l'humanité, qu'ai-je fait? Ah merde. Elle m'a vu. Ma discrétion n'a pas fonctionné. Ah. Bon, je vais mourir, hein, j'aurais fait ce que j'ai pu. Si là je tombe pas, j'offre 2000 euros à toutes les personnes présentes sur le stream. Si là je tombe pas. Faut que t'arrêtes les paris. Ouais, c'est pas rentable ce soir. Ce soir pour moi, c'est pas rentable. Y a pas de rentabilité ce soir pour moi. C'est fou. Zéro rentabilité. Oh non, la cave. Me dit oui en mode si, si, ce sera la cave. Oh, peut-être pas. Oh, c'est pas la cave du coup. Bien joué ça. On va tomber, mais c'est pas grave. Au moins, je suis pas la cave. Ça fait plaisir. J'adore, elle m'a fait des petits oui de la tête pour me dire si, si, ce sera la cave. Et là, c'est flash. Magique. J'adore. Ah là là. Fini, interdit bancaire. Encore. Oh là là. Mais les mates, ils sont trop chauds, la vérité. Oh, le barrage kit. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Merci mes copains, vous êtes adorables. En plus, je crois qu'elle veut que mon cul. Alors écoute, ça tombe bien. Tain, ils sont incroyables. Franchement, respect à mes mates. Hein. Voilà, magnifique. Oh, ils sont trop chauds. Ah, elle veut que mon cul, hein, c'est la vérité. Oh, ils sont incroyables, mes mates. C'est un truc de fou, trop gentil quoi. Oh, ils sont vraiment performants. Ah, depuis qu'ils ont remis la flash correctement, ça va mieux, certes. Ah putain, je me suis cogné. Je voulais aller derrière, bien joué. Oh, il peut pas y avoir encore une série. Oh, elle t'a pas vu, frère. Frère, elle t'a pas vu. Ah merde, trop tard. Dommage. T'as pas eu confiance en toi sur le déplacement, dommage. Salut Atem, ça va très bien et toi? T'as fait 10? T'as fait 10 prêts à la banque à la fin de la soirée avec tout ce que tu dois, c'est la vérité. Mais à un moment donné, je vais dire un pari à 800 millions d'euros et ça va marcher, ça va rembourser tous les paris que j'ai eu fort. J'ai eu tort. Oui, petit crabe, moins fort, je parle moins fort, je parle moins fort. Je parle moins fort. Cette fois-ci, pas de safe flash, mais potentiellement une safe palette. Non, t'aurais pas dû te montrer, c'est dommage. C'est montré. C'est dommage de s'être montré. Ça va finir peut-être sur YouTube. Ah, c'est possible, hein. Salut Kula, merci beaucoup pour ton follow, c'est très gentil Kula, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salut Delta, comment tu vas? Merci pour ton envoi de gemmes, c'est très agréable, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, ah bonjour. Oui, que, oui, bonjour. Que, oui, d'accord. Qu'est-ce que, d'accord. Bien vu ça, t'es un génie de la génitude, Soprano, ça va bien aussi, merci, parfait. Si elle me face camp, vous m'offrez 800 milliards d'euros. Oh, ce tapage pierre, je m'y attendais pas. Ce tapage pierre, je m'y attendais pas. Désolé frère, je t'ai pas aidé, mais j'avais envie de voir sa réaction. Oh là, c'est flash encore. Oh, t'es nul. Je sers à rien. C'est affolant. Je sers à rien. Excusez-moi. Streamhack? Non, non, c'est pas possible.
Elle peut pas savoir que je stream, je me suis mis en mode anonyme. Salut So, comment tu vas aujourd'hui? Personnellement, je vais bien et j'espère que toi aussi. Très bien également, Black. Merci de ta présence, c'est très gentil. Merci à toi d'être là, mon copain. Mais juste des maps de débiles, sérieux, aucune palette. Tristesse, Vic Shooter, bon courage. Salut Thomas4D, comment tu vas? C'est la forme? J'espère que tu vas bien. Salut Tri, tu vas bien? C'est quand le partenariat de PUBG? Ça, on n'a pas l'information. La date, on sait pas, mon copain. J'ai réussi de router, j'ai pas réussi. Je vais aller jouer un peu bon stream, Sopalin, et à bientôt. Gros bisous, Zal, ça marche, joue bien, amuse-toi, frérot, fais-toi plaisir. C'est important de se faire plaisir. On va se retrouver à lui donner 800 000 euros. J'ai repris goût au jeu, je ne sais pas comment j'ai fait sans rire. Sérieux, Thomas Caddy, t'as repris goût au jeu? Bah, tu vois, comme quoi c'est possible, hein. Comme quoi c'est possible. Bah, tant mieux, c'est bien, au moins tu prends du plaisir, c'est cool. Ah, c'est toujours mieux de jouer à un jeu et prendre du plaisir que d'y jouer sans en prendre. Ça, c'est la vérité. Mec, t'imagines jouer le meilleur tueur de DBD, rater tes hits et te manger deux save flash et ensuite devoir camper parce que t'es pas bon? Après, Vidal, est-ce que c'est grave? Je veux dire, est-ce que c'est. On doit se moquer dans ces conditions-là? Peut-être que la nurse, elle a un défi Battle Pass. Peut-être qu'elle a un truc à faire avec sa nurse et qu'elle est obligée de jouer comme ça parce qu'elle sait pas la maîtriser, donc c'est pas grave, hein. Ok, elle joue le meilleur tueur du jeu, mais ça n'excuse pas tout. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'elle joue le meilleur tueur du jeu qu'on se doit de la critiquer, de l'insulter ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Oh non, y a pas en jeu, y a pas en jeu. Oh là là, ce but. Pouah, c'est magnifique. La petite passe D pour Benzé. Putain, c'est vrai que ça sent le football quand même, le Real Madrid. Hein. Y'a rien à dire. Hein. Arrête de spoil, Tommy, laisse-moi découvrir. Salut Wanan, comment tu vas, mon copain, le parrain de mon fils? Comment vas-tu, mon petit Wanan, le parrain de mon fils? J'espère que tu vas bien, mon copain. Tu vois, 3-0, c'est pas assez. Bon, attends, c'est rien, on sait pas ce qui peut se passer. Arrête de vérifier la VAR, c'est bon, y'a pas hors-jeu là, casse pas les couilles. J'en ai marre, à chaque fois que Benzema touche le ballon, ils veulent trouver un hors-jeu, cassez pas les couilles. Y'a pas hors-jeu, bordel de merde. Y'a le bras de Robert. Il m'énerve avec leur hors-jeu là, j'en peux plus de ce système là. Allez, on vérifie pour un poil de couilles, casse les couilles. Voilà, y'a but, merci, au revoir, bonne nuit. Salut Wanan, légendaire parrain des fistons. J'ai répondu, les CRS, je pense pas, tu te rappelles de moi, mais t'avoir fait rigoler, mission accomplie. Et bah parfait, Delta, le meilleur souvenir que j'ai sur ta chaîne, c'est que tu avais demandé qui aimait les. Ah, les cailloux, d'accord. Je sais pas, Delta, ouais, je m'en souviens peut-être, je sais pas. J'avoue que je sais plus. Salut Brian officiel. Vendredi 13, j'aime bien le film, mais je t'avoue que le jeu vidéo, j'aime pas trop, hein. C'est un jeu vidéo un peu ravagé et même plus mis à jour, donc bon. Salut ZRTX, comment tu vas, mon copain? J'espère que tu vas bien. So, j'hésite entre acheter le pass ou acheter Yoon Jin-Lee et Félix ou le pantalon toxique de Feng. Oh, bah, tu sais, c'est pas moi qui vais choisir pour toi, hein. Le mieux c'est toi de choisir pour toi parce que c'est toi qui joues, c'est pas moi. Ça va très bien, ZRTX, merci beaucoup, mon ami. C'est gentil d'être là. Tu vas être président? Non, je serai président de rien du tout, Tri, même pas du caca. Pourtant, je le mérite, mais. Ça serait pas incroyable d'avoir Jason dans des BD? Si, ce serait cool, ce serait super cool. Mais bon, est-ce que. Les développeurs de Behaviour, les développeurs de Dead by Daylight ont vraiment envie de s'associer avec des gens qui ont déjà eu une embrouille de. Comment dire une embrouille. Après, c'est peut-être pas de leur faute, hein. Je veux dire. Ah oui, potentiellement, c'est pas forcément de leur faute aux développeurs de. Enfin, aux détenteurs de la licence de la série de films Friday 13, ce n'est sûrement pas leur faute si des anciens membres. Lors de la création de Friday 13, on décidait de partir de la société et créer le jeu Vendredi 13. En potentiellement, voilà. Quoi? Mais il y a hors-jeu? J'ai pas compris. Mais ils ont refusé le but, j'en reviens pas. Mais mec, pourquoi il y a un zéro? Je comprends pas, mais il y avait pas hors-jeu. Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Ouah, wow, frère, vous comprenez un truc, vous? Moi, je comprends pas. Bah, je suis en train de jeter sur mon téléphone Elche contre Real Madrid, mais je comprends pas, ils ont refusé un but alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Enfin, je sais pas.
Enfin, moi, je dis qu'elle est hors jeu parce que je suis un gros chauvin de merde. Mais je sais pas. Bonjour. La nerf, ça me fait tout rire. Depuis tout à l'heure, elle est à fond dans sa game et elle y arrive pas, ça me termine. J'en ai marre de ces putains d'hors jeu, ça me casse les couilles. Sérieux, c'est insupportable. Salut Vonita, tu vas bien? Bonne soirée moi, gros bisous. Bonne soirée, merci beaucoup. Rien, Vic Shooter, c'est sur un match de foot. Salut, Alicia, comment tu vas? T'es le meilleur roi. C'est gentil, mais pas forcément vrai. Bien le bonjour, jeune entrepreneur, comment vas-tu? Très bien, boss sorti. Et oui, comment tu vas? L'ancien top 1 des gift subs du mois de septembre avec 101 subs offerts à la chaîne. J'espère que tu vas bien, mon copain. Alors, toujours sa colline, hein, décidément, elle adore accrocher sur sa colline. En même temps, c'est tellement fort ce nurse et accrocher sur colline. C'est la vérité. Toi, tu regardes le Bayern. Oh, t'as raison, ça fait ton plaisir. La VAR gâche le suspense du foot. Après, heureusement qu'elle est là parce qu'il y aurait tellement d'injustice, mais là, il y aurait 3-0, quoi. Bref. Et franchement, sur la physionomie du match, il mérite largement de mener 3-0 plutôt que 1-0. Elche, je ne l'ai pas vu prendre le ballon une seule fois. Oh là, c'est flash de bas. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Je sais que je joue au con, mais j'avais envie. So, je t'apprécie bien, mais le foot, c'est trop pour moi. Bonne soirée à tout le monde, gros bisous. Je sais, Wanan, je sais. Bisous, ma couille. Je t'aime très fort. Bisous, ma couillas. Je t'aime très très fort, mon copain. Le suspense du foot, c'est pas du suspense que de perdre sur un hors-jeu non cité. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Regret. Moi, je trouve que la VAR, c'est quand même cool parce que bah, ça permet de comment dire, de faire, putain, mais ah, dommage, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice. Vendredi, début d'après-midi, t'es par là, vers 13h30. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je suis là. Si tu veux venir, tu pourras. Je serai avec mon fiston. C'est l'anniversaire de Crabbe, mais elle est au travail, donc c'est ok. Et donc tu pourras venir sans problème, mon copain, si tu as l'envie, évidemment. Je serai avec mon fiston et il sera en train de dormir, par contre. Je passe après le coiffeur. Ok, ça roule. Let's go, on fait ça. Est-ce que tu veux qu'on se bouffe un truc? Est-ce que tu veux qu'on se bouffe un kebab, un truc? Par contre, le seul problème, c'est que tu vas devoir me le ramener parce que comme je vais devoir coucher mon fils, je pourrais pas forcément venir avec toi. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on y va ensemble avec le fiston. Au pire. T'auras déjà mangé? Non, sérieux, tu veux pas faire exprès de pas manger rien que pour moi? Et tu manges après le coiffeur? On mange tous les deux, on se fait un petit kebab à la maison, mais tranquille. On se regarde un film de boule, un film où il y a des ballons. Enfin non, je sais que t'aimes pas le foot, mais... On se regarde un film de boule, on se regarde un film, un documentaire animalier sur la reproduction entre phoques et baleines. Et on mange un kebab. Après le taf, obligé de manger direct. Bon bah t'es un rat, je t'aime pas. Casse les couilles ces gens qui peuvent pas se retenir de manger là. Est-ce que tu peux te retenir de pisser, bordel de merde? Tu peux bien te retenir de manger? J'en ai marre. Aïe. Non, Willy de la street, je rigole. Oh, c'est une safe flash, mon copain. Oh là là, mais combien de safe flash elle a pris dans la gueule? C'est fou. Elle va où? Je sais pas pourquoi je me rapproche d'elle exprès. Je sais que je suis un putain de troller, mais la vérité. Perso, je me pisse dessus, c'est chaud, c'est rigolo. T'as raison. Non mais Wanan, je comprends tout à fait. Après le taf, tu m'étonnes que t'as envie de manger, y'a pas de problème. Mais si jamais sur le moment tu dis bon, finalement, je peux me retenir, on se fait un truc, on se fait une bouffe. Ça pourrait être sympa, moi j'aurais pas mangé. Mais avance, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qui est con? T'inquiète, Vic Shooter, parle moins fort, s'il te plaît. Même avec la télé, je t'entends plus que la télé. D'accord, petit crabe, parlez moins fort. Ouah, faut vraiment que je... Oh putain, j'en peux plus. Et je vais tester un truc. Je vais mettre un vêtement sous la porte. Peut-être ça atténuera le son. Et une époque, je faisais ça, ça avait l'air de marcher.